Bonjour, je suis Bob le train. Je conduis sur les rails. Les passagers peuvent s'asseoir en moi et voyager très très loin. Je transporte aussi des marchandises d'un lieu à l'autre. Allons-y et rencontrons d'autres moyens de transport. Regardez, il y a une voiture. Bonjour, Bob. Je sors pour un pique-nique. À très bientôt, Bob. Regardez, les enfants, ceci est une voiture de police. Que faites-vous, monsieur voiture de police? Les policiers s'installent en moi pour attraper les voleurs. C'est un travail courageux que de combattre l'injustice. Où vas-tu donc, camion-pompier, avec tant de hâte? Il y a des gens piégés dans un incendie. Je vais aller les sauver avec l'aide des pompiers. Regardez! Une ambulance vient vers nous. Moi, je transporte les gens malades ou blessés à l'hôpital. Que faites-vous, camion poubelle? Eh bien, je ramasse les détritus. Regardez, il y a chariot élévateur et bulldozer. Bonjour les amis, que faites-vous? Bonjour Bob, j'aide le chariot élévateur à bouger les obstacles. Bonjour Bob, j'aide en chargeant et déchargeant. Bon travail les amis. Regardez l'hélicoptère qui s'envole. Au revoir Bob. Bonjour dépanneuse. Que faites-vous? Je remorque les voitures en panne ou cassées. J'espère, les enfants, que vous vous êtes bien amusés en apprenant les différents moyens de transport. Bonjour, les enfants. Je suis Bob. Aujourd'hui, nous allons apprendre l'alphabet. A est la première lettre que nous devons trouver. Allons-y, trouvons le A. Les enfants, voyez-vous le A? Il est caché derrière le lampadaire. Boo! Hey, Bob! Ah, veux-tu te joindre à moi? Bien sûr, Bob! Mais que fais-tu là-haut, B? Je te cherchais. Et voici que tu es là. Regardez les enfants, C est là. Il semble aller quelque part. Bonjour Bob. Bonjour C. Mais où vas-tu? Je vais au parc. Pourquoi ne viendrais-tu pas avec nous? Oui! D. Mais que fais-tu derrière les arbres? Je joue à cache-cache. Veux-tu te joindre à nous pour un tour rigolo? Oui! Bonjour, comment vas-tu? Aimerais-tu venir avec nous? Bonjour, Bob! Je vais bien, merci! Oui, j'adorerais venir avec vous! Les enfants, mais qu'est-ce que c'est? Oh mon Dieu! C'est F! Bonjour, Bob! Bonjour, G! Mais où vas-tu? Bonjour, Bob! Je vais rencontrer H! Venez! Bonjour, H! Bonjour, Bob! G! Joignons-nous à Bob! Oui! Les enfants, les prochaines lettres sont I et J.
Nous attendons pour le bus. Il nous emmènera aux îles flottantes. Je vais également aux îles flottantes. Tous les deux, venez avec nous. Les enfants, regarde Eka. Il est sur la balançoire. Bob, puis-je me joindre à mes amis I et J? Bien sûr. Super. Attendez-moi, je veux venir aussi. Bonjour M. Mais que fais-tu? Bonjour Bob, je rentre chez moi. Veux-tu te joindre à nous plus tôt? Oui. Wouhou. Bonjour N. Bonjour O. Bonjour Bob. Bonjour Bob. Bonjour P. Où est Q? Bonjour Bob. J'essaie de trouver Q. Peux-tu m'aider à trouver Q? Regarde, Q se cache derrière la maison. Regardez les enfants, il y a S. Bonjour Bob, j'attends R. Bonjour Bob. Bonjour T, vas-tu quelque part? Bonjour Bob, je vais en ville rencontrer U et V. Allons voir U et V ensemble. Oui! Bonjour U et V. Voulez-vous venir avec moi rencontrer W? Oui! Nous allions rencontrer W. Allons-y ensemble! Bonjour W. Bonjour Bob. J'attends mes amis T, V et U. Les as-tu vus? Oui, ils sont à bord. Pourquoi ne te joindrais-tu pas à nous? Oui! Wouhou! Regardez, tous nos amis. Peut-on nous joindre à vous, Bob? Bien sûr, X, Y et Z. Wouhou! C'était bien rigolo. À très bientôt. Bonjour, je suis Bob et je veux vous aider à apprendre les nombres. Comptons à présent les objets dans mon wagon. Un camion. 1. Bonjour, 1. Bonjour, Bob. 2. Montre. 1, 2. Bonjour, 2. Bonjour, Bob. 3 ruches. 1, 2, 3. Bonjour, 3. Hey, salut, Bob. 4 soleils. 1, 2, 3, 4. Salut, 4. Hey, tu vas bien? 5 parapluies. 1, 2, 3, 4, 5. Bonjour, 5. Salut, Bob. 6 oranges. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bonjour, 6. Comment vas-tu, Bob? 7 pommes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bonjour, 7. C'est bien de te voir, Bob. 8 chapeaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bonjour, 8. Bonjour, Bob. 9 sucettes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bonjour, 9. Bonjour, Bob. 10 ballons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bonjour, 10. Cela fait plaisir de te voir, Bob. Allez, comptons les nombres encore une fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7. 8. 9. 10. Bonjour les enfants, comment allez-vous aujourd'hui? Soyez prêts, car aujourd'hui, nous allons jouer avec des figures colorées et beaucoup d'amusement. Laissons toutes les figures se présenter une par une. Carré est mon nom. Mes quatre côtés sont semblables. Tourne-moi autour, je m'en fiche. Je suis partout pareil. Je suis un carré. Cercle est mon nom. Regarde-moi tourner en rond. Et bientôt, tu apprendras. Mes bords extérieurs n'en finissent pas. Je suis un cercle. Je suis un cercle. Rectangle est mon nom. Mes quatre côtés ne sont pas les mêmes. Deux sont courts et deux sont longs. Compte mes côtés et viens par ici. 1, 2, 3 et 4. Triangle est mon nom. En haut de la colline jusqu'au sommet, en bas de la colline, puis tu stoppes. Droit devant, dis-moi ce que tu as. Un triangle. Oui, un triangle. D'accord les enfants, maintenant allons-y. Jouez avec les figures et construisez quelque chose de plus. Oui! À présent, montrons nos talents. Une belle maison de figures nous construirons. Mes quatre côtés sont semblables. Quel est mon nom? Un carré! Oui! Plaçons-le ici. Maintenant, regardez là-bas et dites-moi la forme du toit. Triangle! Oui! Plaçons-le à présent à un angle parfait. Nous sommes très forts. À présent, nommez une figure avec quatre côtés. Deux courts, deux longs. Rectangle! Oui, c'est bien un rectangle. Quelle belle maison nous avons construite. Oui! Eh bien, c'était amusant. À présent, faisons un nouveau jeu. Nous voulons peut-être aller quelque part. Alors, construisons tous ensemble une voiture. Oui! Quelles figures tournent rond et rond sans s'arrêter? Dites-moi. Un cercle! Oui, c'est bien un cercle. Plaçons-le comme cela. Pour notre voiture, nous avons besoin d'une forme avec deux longs côtés et deux courts. Un rectangle! Oui, c'est un rectangle. Plaçons-le ainsi. Quelle forme à quatre côtés semblables devons-nous mettre au-dessus? Un carré! Oui, c'est un carré. Lâchons-le à cet endroit. Utilisant toutes les formes, quelle belle voiture nous avons créée! Oui! Pour se reposer, fabriquons un arbre. Les enfants, n'êtes-vous pas d'accord? Si! Commençons avec un rectangle cette fois. À présent, est-ce que cela semble bien? Quelle autre forme pourrions-nous utiliser? Un cercle? Un rectangle? Oh, s'il te plaît, dis-nous! Ok, nous devrions utiliser quelques triangles. Waouh! Cela ressemble à un très bel arbre. Les enfants, n'êtes-vous pas d'accord? Si! Les enfants, à présent, construisons quelque chose de nouveau. Que pensez-vous d'une balançoire? Oui, nous pouvons jouer avec la balançoire toute la journée, Ok, quelle forme avons-nous besoin pour commencer? Un triangle serait parfait pour notre balançoire. À présent, nous avons besoin d'une forme avec deux courts côtés et deux longs. Oui, construisons un rectangle. À présent, plaçons-le délicatement ici. Regardez, nous avons construit une balançoire nous-mêmes. Je m'amuse vraiment bien aujourd'hui. Oui, Bob. Nous avons besoin de nous asseoir et manger quelque part. Construisons une table et des chaises. Nous utiliserons quatre rectangles pour les pieds. Plaçons-les tous à la verticale. C'est parfait. Merci, rectangle. À présent, prenons une forme qui est ronde. Les enfants, dites-moi quelle forme il me faut. Un cercle! Oui, c'est un cercle. Plaçons-le au-dessus. Voici notre magnifique table. Encore plus jolie que dans un magasin. À présent, appelons les carrés et rectangles pour construire nos chaises.
C'est magnifique! À présent, nous pouvons tous nous asseoir quelque part. Merci les formes! Je me suis bien amusé aujourd'hui. À bientôt! Pour plus d'amusement! Tu veux faire un tour en ville? Yes! Alors hop, à bord! Les roues du train tournent et tournent, tournent et tournent, tournent et tournent. Les roues du train tournent et tournent à travers la ville. Le klaxon du train fait tut tut tut, tut tut tut, tut tut tut. Le klaxon du train fait tut 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 à travers la ville. Le moteur du train fait chou chou chou, chou chou chou, chou chou chou. Le moteur du train fait chou 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 à travers la ville. Les wagons du train vont en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas. Les wagons du train vont en haut, en bas, à travers la ville. Les bébés sur le train font ouin ouin ouin, ouin ouin ouin, ouin ouin ouin. Les bébés sur le train font ouin 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 à travers la ville. Les mamans sur le train font chut chut chut, chut chut chut, chut chut chut. Les mamans sur le train font chut 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 à travers la ville. Les passagers sur le train font des bon bon bon, bon bon bon, bon bon bon. Les passagers sur le train font des bon 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 à travers la ville. Les rails sous le train font clac clac clac, clac clac clac, clac clac clac. Les rails sous le train font clac 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 à travers la ville. As-tu aimé Bob le train? Alors reviens vite. Bonjour les enfants! Avez-vous déjà rencontré la famille de Bob le train? Montre-moi le premier doigt. C'est Papa Train. Papa Pousse, où es-tu? Je suis là, comment vas-tu? Et voilà le deuxième doigt. C'est Maman Train. Maman Index, où es-tu? Je suis là, comment vas-tu? Et le troisième doigt, c'est Frère Train. Frère majeur, où es-tu? Je suis là, comment vas-tu? Et le quatrième doigt, c'est Sœur Train. Sœur annulaire, où es-tu? Je suis là, comment vas-tu? Et le dernier doigt, c'est Bébé Train. Petit bébé, où es-tu? Je suis là, comment vas-tu? N'était-ce pas amusant? Regardons-nous doigts encore une fois. Papa Pousse, où es-tu? Je suis là, comment vas-tu? Et voilà le deuxième doigt, c'est Maman Train. Maman Index, où es-tu? Je suis là, comment vas-tu? Et le troisième doigt, c'est Frère Train. Frère majeur, où es-tu? Je suis là, comment vas-tu? Et le quatrième doigt, c'est Sœur Train. Sœur annulaire, où es-tu? Je suis là, comment vas-tu? Et le dernier doigt, c'est Bébé Train. Petit bébé, où es-tu? Je suis là, comment vas-tu? C'est super! À la prochaine!
Il y en avait 10 en Zali et le petit a dit: retournez-vous, retournez-vous. Ils se sont tous retournés et en est tombé 9. Il y en avait 9 dans un lit et le petit a dit: retournez-vous, retournez-vous. Ils se sont tous retournés et en est tombé 8. Il y en avait 8 dans un lit et le petit a dit: retournez-vous, retournez-vous. Ils se sont tous retournés et en est tombé 7. Il y en avait 7 dans un lit et le petit a dit: retournez-vous, retournez-vous. Ils se sont tous retournés et en est tombé 6. Il y en avait 6 dans un lit et le petit a dit: retournez-vous, retournez-vous. Ils se sont tous retournés et en est tombé 5. Il y en avait 5 dans un lit et le petit a dit: retournez-vous, retournez-vous. Ils se sont tous retournés et en est tombé 4. Il y en avait 4 dans un lit et le petit a dit: retournez-vous, retournez-vous. Ils se sont tous retournés et en est tombé 3. Il y en avait 3 dans un lit et le petit a dit: retournez-vous, retournez-vous. Ils se sont tous retournés et en est tombé 2. Il y en avait 2 dans un lit et le petit a dit: retournez-vous, retournez-vous. Ils se sont tous retournés et en est tombé 1. Il y en avait 1 dans un lit et le petit a dit: bonne nuit. Pluie, 20 ans, un autre jour réveillant, petit Johnny veut jouer. Pluie, 20 ans. Pluie, 20 ans, un autre jour réveillant, petit Johnny veut jouer. Pluie, 20 ans. Pluie, 20 ans, un autre jour réveillant, petit Johnny veut jouer. Pluie, 20 ans. Pluie, 20 ans, un autre jour réveillant, petit Johnny veut jouer. Pluie, 20 ans. Pluie, 20 ans, un autre jour réveillant, petit Johnny veut jouer. Pluie, 20 ans. Bonjour les enfants, dansons. 1, 2, ferme mon lacet. 3, 4, tapez à la porte. 5, 6, ramassez les brindilles. 7, 8, les aligner. 9, 10, une pouille grassouillette. Et voilà plus. 11, 12, creuse et fouille. 13, 14, les domestiques font la cour. 15, 16, les domestiques dans la cuisine. 17, 18, les domestiques attendent. 19, 20, mon assiette est vide. En voilà plus. 1, 2, ferme mon lacet. 3, 4, tapez à la porte. 5, 6, ramassez les brindilles. 7, 8, les aligner. 9, 10, une pouille grassouillette. Et voilà plus. 11, 12, creuse et fouille. 13, 14, les domestiques font la cour. 15, 16, les domestiques dans la cuisine. 17, 18, les domestiques attendent. 19, 20, mon assiette est vide. En voilà plus. 1, 2, ferme mon lacet. 3, 4, tapez à la porte. 5, 6, ramassez les brindilles. 7, 8, les aligner. 9, 10, une pouille grassouillette. Et voilà plus. 11, 12, creuse et fouille. 13, 14, les domestiques font la cour. 15, 16, les domestiques dans la cuisine. 17, 18, les domestiques attendent. 19, 20, mon assiette est vide.
Bonjour les enfants. Allons voir ce que fait Johnny. Johnny, Johnny, oui papa, tu manges du sucre, non papa. Raconte-tu du barbare, non papa. Ouvre ta bouche, ha ha ha. Johnny, Johnny, oui papa, tu manges du sucre, non papa. Raconte-tu du barbare, non papa. Ouvre ta bouche, ha ha ha. Johnny, Johnny, oui papa, tu manges du sucre, non papa. Raconte-tu du barbare, non papa. Ouvre ta bouche, ha ha ha. Johnny, n'est-il pas un vilain petit garçon? Bonjour, je suis Bob le Train. Voulez-vous venir faire un tour de l'alphabet avec moi? Oui. A, B, C, A, D, E, F, G, H, I. J, K, L, E, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, A, V, W, X, E, Y, A, Z. N'était-ce pas rigolo? Commençons par la lettre Z cette fois. Z, E, Y, E, X, E, W, V, E, U, A, T, E, S, R, E, Q, E, P, E, O, N, E, M, E, L, K, J, I, E, H, E, J, E, F, E, D, C, E, B, E, A. Encore une fois, en commençant par la lettre A, chantons tous ensemble. A, E, B, A, C, A, D, E, A, F, E, J, H, I, J, A, K, A, L, A, M, N, A, O, A, B, Q, R, S, A, T, A, U, A, V, W, X, A, Y, A, Z. As-tu aimé ce tour de l'alphabet avec Bob le Train? Oui! Alors à bientôt! Je suis le train des formes! Chou chou chou! Je suis le train des formes! Monsieur Cercle, Monsieur Cercle, tu es rond et rond et rond. Tu peux rouler sur le sol, tu peux rouler où tu veux. Monsieur Cercle, Monsieur Cercle, tu es rond et rond et rond. Tu peux rouler sur le sol, tu peux rouler où tu veux. Monsieur Carré, Monsieur Carré, bonjour, comment vas-tu? Prends soin de tes quatre côtés, aussi de tes quatre coins. Monsieur Carré, bonjour, comment vas-tu? Prends soin de tes quatre côtés, aussi de tes quatre coins. Monsieur Triangle, Triangle, tu ressembles à une pyramide. Viendras-tu dans mon train?
comme l'a fait Monsieur Carré. Monsieur Triangle, Triangle, tu ressembles à une pyramide. Viendras-tu dans mon train comme l'a fait Monsieur Carré? Monsieur Étoile, Monsieur Étoile, regardes-tu vers le ciel? Tes amis vont sortir de la nuit tellement haut. Monsieur Étoile, Monsieur Étoile, regardes-tu vers le ciel? Tes amis vont sortir de la nuit tellement haut. Monsieur Rectangle, Rectangle, nous rejoindras-tu aussi? Mes wagons sont confortables et formés comme toi. Monsieur Rectangle, Rectangle, nous rejoindras-tu aussi? Mes wagons sont confortables et formés comme toi. Monsieur Oval, Monsieur Oval, bonjour, comment allez-vous? Regarde, tes amis sont à bord, veux-tu te joindre à nous? Monsieur Oval, Monsieur Oval, bonjour, comment allez-vous? Regarde, tes amis sont à bord, veux-tu te joindre à nous? Au revoir, les enfants! Hey! Je suis Bob le train! Wow! Regardez tous ces nombres! Allons jouer avec eux! 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7, et 8, 9 et 10. Waouh, n'est-ce pas rigolo? 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8, 9 et 10. Encore une fois, allons-y! 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8, 9 et 10. J'adore jouer avec les nombres, viens avec moi. Chante avec moi et danse sur la chanson des nombres. As-tu aimé cela? Reviens vite pour jouer avec Bob le train. Bonjour les enfants. Voici la chanson que je chante quand je suis loin et seul. J'ai un petit peu peur. Je suis allé près de la mer, je suis allé si loin. J'ai traversé le désert, c'est un endroit étrange. Je ne m'arrêterai pas, je ne paniquerai pas. Je reste sur mon chemin doucement ou vite en haut ou en bas. Traçant, 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 comme le train sur des rails nous avançant. À travers la pluie et la neige. Traçant, traçant, traçant. Quand tu n'as pas le moral, souviens-toi qu'aujourd'hui n'est qu'un instant passager. Demain viendra de nouveau, apportant une nouvelle clarté. L'instant paraît sans, mais il y aura une nouvelle lumière. Je vais continuer à avancer en chantant cette chanson. Je ne m'arrêterai pas, je ne paniquerai pas. Je continue à avancer à travers l'horloge. Traçant, 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 comme le train sur des rails nous avançant. À travers la pluie, l'horloge et la neige. Traçant, traçant, traçant. Pourquoi avons-nous peur? Parce que c'est l'inconnu?
Mais souvenez-vous, ce que nous ne connaissons pas aujourd'hui nous sera familier demain. Je peux contempler tous ces lieux, sentir le vent sur mon visage. Beaucoup de choses appréciées, la peur est un déshonneur. Je ne laisserai pas cette peur être un croix porté. Je sourirai car demain je saurai Traçant comme le train sur des rails nous avançant à travers la pluie et la neige. Traçant Ne laissez jamais la peur de l'inconnu vous contrôler. N'oublie pas ce que Bob le train vous a appris. Tu te sens seul? Alors chante la chanson de l'amitié. Il y a des jours où je me sens triste et seul. Quand mon sourire se retire, je sors faire un petit tour avec mes meilleurs amis. Et tout de suite, je me sens mieux. Mes meilleurs amis. J'aime la compagnie de mes meilleurs amis. Et parfois, quand l'école devient une corvée, que j'ai vraiment envie de rentrer, je sors faire un petit tour avec mes meilleurs amis. Et tout de suite, je me sens mieux. Mes amis, mes meilleurs amis. J'aime la compagnie de mes meilleurs amis. Et il y a aussi des jours où je suis heureux comme le soleil. J'ai envie de partager ma joie avec quelqu'un. Je sors faire un petit tour avec mes meilleurs amis. Et tout de suite, je me sens mieux. Savez-vous qui sont les meilleurs amis de Bob le train? Vous tous! À bientôt! Bonjour! Je suis Bob le train. Cela te dit une aventure spatiale? Oui! Partons pour un tour des planètes et Bob sera ton guide. Il y aura des jeux amusants à bord du train de l'espace. Partons pour un tour des planètes et Bob sera ton guide. Il y aura des jeux amusants à bord du train de l'espace. Oui! Peux-tu voir Mercure? C'est proche du soleil. Fera-t-il chaud là-bas? On ne veut pas brûler? Oh non, ne t'inquiète pas, nous n'irons pas trop près. Assieds-toi, bronze un peu, de la tête aux pieds. Regarde, il y a Vénus ici, tout recouvert de nuages. Y a-t-il quelqu'un à l'intérieur? Faisons leur coucou! Bonjour! Il y a quelqu'un? Sa forme est comme la Terre, mais personne n'y habite. Continuons notre route tout autour des planètes. Qu'est-ce que cette chose bleue si belle? C'est la Terre, non, je crois? Oui, ce sont bien les mers et les terres et la neige. Nous pouvons y vivre, il y a de l'air pour respirer. Il ne fait pas trop chaud, ni trop froid d'ailleurs. Peux-tu deviner ce qu'il y a devant? C'est la planète rouge. Voyons voir de plus près. C'est magnifique, je sais. C'est la quatrième planète. Elle vient juste après la nôtre. Sais-tu comment elle s'appelle? Son nom est Mars. Ici la planète Jupiter. Tu peux voir qu'elle est immense. La plus grande de toutes. Grande comme mille têtes. Elle a une grande tache rouge et elle a beaucoup de lunes.
Avançons dans notre voyage. Tout en chantant la chanson des planètes. Partons pour un tour des planètes. Et Bob sera ton guide. Il y aura des jeux amusants à bord du train de l'espace. Cette planète est très belle. Elle a un anneau tout rond. Elle se nomme Saturne. Allons voir de plus près. Oh, il y a de nombreux anneaux, tout en cristaux de glace. J'aimerais pouvoir vivre ici. Ne serait-ce pas merveilleux? En face, il y a Uranus, qui a un éclat bleu vert. Pourquoi on ne peut pas voir à l'intérieur? À cause de tous les gaz. Bonjour! Que caches-tu à l'intérieur? Neptune est juste devant nous. Elle est d'un joli bleu. Elle se nomme géante de glace. Elle a de l'eau aussi. Tu as vu toutes les planètes, mais il y a bien d'autres choses à voir ici. La prochaine fois, nous verrons cela. Partons pour un tour des planètes. Et Bob sera ton guide. Il y aura des jeux amusants à bord du train de l'espace. Coucou les enfants, vous voulez faire un tour plein de couleurs? Alors suivez-moi. Jaune, jaune, j'aime le soleil. Jaune, jaune, j'aime le soleil. Violet, violet, j'aime le raisin. Violet, violet, j'aime le raisin. Bleu, bleu, j'aime le ciel. Bleu, bleu, j'aime le ciel. Blanc, blanc, j'aime les nuages. Blanc, blanc, j'aime les nuages. Allez, venez tous dans mon train coloré. Regardez ces couleurs vives. Allez, venez tous dans mon train coloré. Faites un tour plein de couleurs. Vert, vert, regardez les arbres. Vert, vert, regardez les arbres. Rouge, rouge, regardez les fleurs. Rouge, rouge, regardez les fleurs. Orange, orange, regardez la maison. Orange, orange, regardez la maison. Rose, rose, regardez la porte. Rose, rose, regardez la porte. Allez, venez tous dans mon train coloré. Regardez ces couleurs vives. Allez, venez tous dans mon train coloré. Faites un tour plein de couleurs. J'espère que vous avez aimé ce tour coloré. À bientôt les enfants. Connais-tu la chanson ABC des animaux de Bob? Chantons-la avec Bob le train. Hey, 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 alligator. Il est gros et vert. Alligator. Bi-bi-bi, a butterfly. Il est beau comme un roi. Un papillon. Si-si-si, a caterpillar. Oh, elle avance lentement, la chenille. Di-di-di,
A dog. Un chien. Regardez-le sauter sur ses pattes. An elephant. Sa trompe n'en finit pas. Un éléphant. F, F, F. A frog. Sa langue pointue, si longue. Une grenouille. G, G, G. Giraffe. Je ne peux la voir qu'à moitié. Giraffe. H, H, H. A hippopotamus. Il peut rester dans l'eau toute la journée. Un hippopotame. Aïe, 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 an iguana. Il ressemble à un petit dinosaure. Un iguane. J, 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 a jaguar. Il a des milliers de taches sur le corps. Un jaguar. K, 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 a kangaroo. Regardez-le sauter partout. Un kangourou. L, 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 a lion. On l'appelle le roi de la jungle. Un lion. M, 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 a monkey. N'aime-t-il pas les arbres? Un singe. N, 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 a newt. Attention, il va éternuer. Un triton. Oh, 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 an octopus. Il a certainement de nombreux bras. Un poulpe. Pi, 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 a penguin. N'est-il pas rigolo quand il marche? Un pingouin. Q, 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 a quail. Elle est assise sur des œufs. Une caille. R, 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 a rhinoceros. Faites bien attention à cette corne. Un rhinocéros. S, 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 a starfish. On ne la trouve que dans la mer. Une étoile de mer. T, 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 a tiger. Celui-ci semble bien endormi. Un tigre. You, 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 a yo-yo. Ses cornes attirent le regard. Un mouflon. V, 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 a vulture. Il peut voler très haut dans le ciel. Un vautour. W, W, a walrus. Mais comment cette dent grandit? Un morse. X, 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 an X-ray fish. Tu peux presque voir à travers. Un chardonneret d'eau. Why, 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 a yak. Je pense qu'il doit avoir très froid. Un yak. Z, 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 a zebra. Il ressemble à un cheval rayé. Un zèbre. C'était la chanson ABC des animaux. N'était-ce pas sympa? Reviens vite avec Bob le Train. Bonjour tout le monde. Quelle belle journée. Allons à la ferme aujourd'hui. Bob le Train alla à la ferme. Ia, ia, oh. Et à la ferme il vit des canards. Ia, ia, oh. Avec des coins coins ici et des coins coins là. Ici un coin, là un coin, tout autour des coins coins. Bob le Train alla à la ferme. Ia, ia, oh. Bob le Train alla à la ferme. Ia, ia, oh. Et à la ferme il vit des chevaux. Ia, ia, oh. Avec des ici et des là. Ici un là, tout autour des. Bob le Train alla à la ferme. Ia, ia, oh. Bob le
train alla à la ferme, ia ia o. Et à la ferme il croisa des vaches, ia ia o. Avec des meumeux ici et des meumeux là, ici un meulin meu, tout autour des meumeux. Bob le train alla à la ferme, ia ia o. Bob le train alla à la ferme, ia ia o. Et à la ferme il vit des cochons, ia ia o. Avec des ici et des là, ici un là, tout autour des Bob le train alla à la ferme, ia ia o. Bob le train alla à la ferme, ia ia o. Et à la ferme il croisa des poules, ia ia o. Avec des côtes, côtes ici et des côtes, côtes là. Ici un côte, là un côte, tout autour des côtes, côtes. Bob le train alla à la ferme, ia ia o. Bob le train alla à la ferme, ia ia o. Et à la ferme il vit des moutons, ia ia o. Avec des bébés ici et des bébés là, ici un bébé, là un bébé, tout autour des bébés. Bob le train alla à la ferme, ia ia o. Bob le train alla à la ferme, ia ia o. Et à la ferme il croisa des chiens, ia ia o. Avec des waf waf ici et des waf waf là, ici un waf, là des waf, tout autour des waf waf. Bob le train alla à la ferme, ia ia o. Bob le train alla à la ferme, ia ia o. Et à la ferme il croisa des chats, ia ia o. Avec des miaou miaou ici et des miaou miaou là, ici un miaou, là un miaou, tout autour des miaou miaou. Bob le train alla à la ferme, ia ia o. Au revoir les enfants, vous vous êtes bien amusés? Bonjour les enfants, voulez-vous voir quelque chose d'amusant aujourd'hui? Oui, oui, bien sûr. Oui. D'accord, alors partons pour le camp militaire. Dépêchez-vous. Allez, allez, ne traînez pas. Qu'est-ce que vous voyez, les enfants? Nous voyons un tank. Oui, tout à fait. Dans l'armée, il est très connu. Bonjour, monsieur Tank. Que fais-tu? Moi, je protège le pays et aussi nos frontières. Regardez, il y a le camion de l'armée. Bonjour, camion de l'armée. Comment ça va? Bonjour, Bob. Je dois délivrer le matériel aux soldats. Du coup, je me dépêche. Bonjour, ambulance. Tu sembles fatigué. Bonjour, Bob. C'est parce qu'on a besoin de moi partout. Que fais-tu toute la journée? J'aide à porter les soldats blessés en sécurité. C'est vraiment un beau travail. Oui, monsieur Bob. Mais qu'est-ce qui sort de l'eau? Il y a une minute, tout était calme. Bonjour, Bob. Je suis monsieur sous-marin. Mon nom signifie « sous l'eau ». Je peux naviguer sur ou sous l'eau. Bonjour, sous-marin. Bonjour, Bob. Comment allez-vous? Salutations, monsieur Navy. Avez-vous navigué sur l'eau bleue? Oui, nous naviguons sur la mer et protégeons les côtes. Oh, c'est certainement quelque chose dont vous pouvez être fier. Regardez là-bas, c'est un porte-avions. Ah oui, c'est moi. Bonjour, mon cher. Je suis le camp de base sur l'eau. Tous ces avions, moi seul les transporte. Par ici vient l'avion militaire. Waouh! Je vole très haut pour ainsi protéger le ciel. Regardez là-haut, c'est un hélicoptère de transport. Que fais-tu? Bonjour, Bob. Comment vas-tu? Je transporte les troupes dans les airs et je les emmène à des endroits loin ou proches. Par ici vient le bombardier.
Attention les enfants. Waouh ! Bonjour Bob. Mon nom est Bombardier et mes ennemis me craignent. Mes bombes peuvent détruire toutes les cibles sur la terre ou sur la mer. Bonjour véhicule blindé de transport de troupes. Que caches-tu ? Bonjour ! Je transporte les soldats au champ de bataille. Bonjour Bob ! Comment vas-tu ? Bonjour hélicoptère. Que fais-tu ? Je suis un peu comme le camion militaire et donne à chacun un peu d'aide. Mon travail est de connecter des endroits difficiles d'accès par la route. Les enfants, regardez là-bas. Pouvez-vous deviner quel transport militaire c'est ? Un avion de chasse ? Une jeep ? Un hélicoptère ? Oh, s'il te plaît, dis-nous ! Non, c'est un aéroglisseur militaire. Oh mon Dieu, il vient par ici ! Je peux me déplacer sur n'importe quelle surface et aller là où il y a des problèmes. Regardez là-bas, les enfants. Par ici vient la jeep de l'armée. Bonjour, Bob. Je peux facilement rouler à travers des sentiers difficiles, quelle que soit la hauteur ou la profondeur. Les enfants, j'espère que vous vous êtes bien amusés au camp militaire. Au revoir, je dois filer. Au revoir, Bob. Apprenons les transports. Avion. Camion. Vélo. Ambulance. Voiture. Fusée. Bateau. Camion pompier. Taxi. Apprenons les fruits. Pomme. Poire. Raisin. Mangue. Banane. Anone. Orange. Cerise. Apprenons les couleurs. Rouge. Bleu. Jaune. Vert. Orange. Violet. Rose. Noir. Blanc. Gris. Apprenons les nombres. 1. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. 9, 10. Apprenons les figures. Carré.
rectangle, cercle, ovale, triangle, pentagone, hexagone, octogone, diamant, étoile. Apprenons les légumes. Tomate, carotte, piment doux, aubergine, champignon, patate, brocoli, concombre, les enfants. Et si on jouait avec les crayons de couleur? Tiens, choisissons une couleur. Regardez, bien c'est le bleu. Prenez crayon et papier et dessinez un beau ciel. C'est très joli, vous ne trouvez pas? Qu'est-ce que j'aime, la couleur bleue. C'est l'une des couleurs de notre boîte de crayons. Tiens, choisissons une couleur. Regardez, bien c'est le rouge. Prenez crayon et papier et dessinez une rose. C'est très joli, vous ne trouvez pas? Qu'est-ce que j'aime, la couleur rouge. C'est l'une des couleurs de notre boîte de crayons. Choisissons une couleur. Regardez, bien c'est le jaune. Prenez crayon et papier, dessinez une étoile. C'est très joli, vous ne trouvez pas? Qu'est-ce que j'aime, la couleur jaune. C'est l'une des couleurs de notre boîte de crayons. Choisissons une couleur. Regardez, bien c'est le vert. Prenez crayon et papier et dessinez un champ. C'est très joli, vous ne trouvez pas? Qu'est-ce que j'aime, la couleur vert. C'est l'une des couleurs de notre boîte de crayons. Choisissons une couleur. Regardez, bien c'est le rose. Prenez crayon et papier, dessinez la barbe à papa. C'est très joli, vous ne trouvez pas? Qu'est-ce que j'aime, la couleur rose. C'est l'une des couleurs de notre boîte de crayons.
Tiens, choisissons une couleur. Regardez, c'est le violet. Prenez crayon et papier. Dessinez une robe de princesse. C'est très joli, vous ne trouvez pas? Qu'est-ce que j'aime, la couleur violet. C'est l'une des couleurs de notre boîte de crayons. Hé les enfants, quelle belle journée! Allons faire un tour avec tous nos amis. Il fait si beau aujourd'hui, on franchira les montagnes. Par les chemins et les prés, on franchira les montagnes. Il fait si beau aujourd'hui, on passera la rivière. Écoute le bruit du ruisseau, on passera la rivière. Il fait si beau aujourd'hui, on franchira les montagnes. En chantant de belles chansons, on franchira les montagnes. Il fait si beau aujourd'hui, on ira par les champs. Au milieu de l'herbe et des fleurs, on ira par les champs. Il fait si beau aujourd'hui, on descendra dans la plaine. Écoute les oiseaux qui chantent, on descendra dans la plaine. Il fait si beau aujourd'hui, on franchira les montagnes. En chantant de belles chansons, on franchira les montagnes. Il fait si beau aujourd'hui, on ira dans la forêt. Protégé par ces grands arbres, on ira dans la forêt. Il fait si beau aujourd'hui, on fera le tour du lac. Regarde les poissons qui nagent, on fera le tour du lac. Il fait si beau aujourd'hui, on franchira les montagnes. En chantant de belles chansons, on franchira les montagnes. Vous avez aimé la promenade? À bientôt avec Bob le Train! Connaissez-vous l'histoire des trois souris aveugles? Trois souris aveugles. Trois souris aveugles. Voyez comme elles courent. Voyez comme elles courent. Elles courent tout après la femme du fermier qui leur coupe la queue d'un couteau armé. Vous n'avez rien vu d'un tel emblé que trois souris aveugles. Aveugles vont vérifier leurs yeux, vont vérifier leurs yeux. Le docteur leur a donné des lunettes. Les souris, elles ont très bien pu voir. Remercier le docteur et dire au revoir. Les trois souris aveugles. Thank you.
souris aveugle sont rentrées chez elles. Elle court tout après la femme du fermier qui s'enfuit et crie à gorge déployée. Le couteau, les souris l'avaient caché. Les trois souris aveugles. En chantant la pommade les a soignés. De belles encolures sont repoussées. Pour vivre heureuses, elles étaient préparées. Les trois souris aveugles. Ça, c'était une histoire vraiment bizarre. À la prochaine fois. Montez pour faire un tour autour du monde. Le monde est immense, beaucoup de merveilles à contempler. Et nous allons traverser la mer. Ce sera tellement amusant que vous pourrez exclamer: partons autour du monde avec Bob le train. Dans les jungles d'Afrique jusqu'aux plages d'Espagne, les îles sur les tropiques où il y pleut tant. Youpi! Nous découvrons les montagnes enneigées de l'Himalaya. Courons autour du Taj Mahal pour rester en forme. Et appuyons-nous un peu sur la tour de Pise. La grande muraille de Chine est un super parcours. Contemplez la statue de la liberté juste au dehors. Les pyramides d'Égypte aux glaces de l'Ukraine. Les vignobles de France où l'on fait du champagne. Regardez tous les poissons colorés de la grande barrière de corail. On disait à côté des kangourous, regardez les pingouins se dandiner et leurs voleurs se reprogner. Grimper au sommet des plus hauts bâtiments à Dubaï. Contempler les trésors du Machu Picchu depuis ce sommet. Des îles Galapagos au plein de Mongolie. Les châteaux Normandie et leurs mystérieuses légendes. Vous vous êtes bien amusé autour du monde? Revenez très bientôt pour un nouveau voyage. Hé les enfants, laissez-moi vous raconter l'histoire du roi Cole. Le bon roi Cole était un galuron, quel bon vivant c'était. Il demanda sa pipe et il demanda sa soupe et ses trois violonistes complets. Chacun avait un violon, quel beau violon c'était. Oh, il n'y a rien de tel pour commander mortel que les trois violonistes au complet. Le bon roi Cole était un galuron, quel bon vivant c'était. Il demanda son épée puis son bouclier et ses trois chevaliers au complet. Chacun avait une épée, quelles belles épées c'était. Oh, il n'y a rien tel pour le commun des mortels que les trois chevaliers au complet. Le bon
roi Cole était un Gailluron. Quel bon vivant c'était. Il demanda sa poêle et sa pâte à crêpes, puis les trois cuistots complets. Chacun avait ses recettes. Quelle bonne recette c'était. Oh, il n'y a rien de tel pour le commun des mortels que les trois cuistots complets. Le bon roi Cole était un Gailluron. Quel bon vivant c'était. Il demanda sa couronne, il demanda sa cape, puis ses maîtres de garde-robe. Chacun avait une grande cape. Quelle belle grande cape c'était. Oh, il n'y a rien de tel pour le commun immortel que les trois maîtres de garde-robe.